Mes premiers souvenirs remontent plutôt avant l'époque de maître de conférence que je suis arrivée ici, donc en 85 en tant qu'étudiante. Déjà la première surprise, ça a été effectivement le lendemain de mon recrutement de croiser un de mes anciens profs qui me dit « Bonjour cher collègue, bienvenue ». Donc ça m'avait fait une impression très agréable et très inattendue. C'est que des bons souvenirs pour moi. Un contact avec les étudiants, les collègues, les enseignants. On est arrivé pour monter une structure et puis en quelques mois et au bout de 2 ans, on a réussi à créer toute une structure de recherche et ça, c'est vraiment un super souvenir en fait. Donc on peut dire que l'université a beaucoup changé ton niveau structure et d'un point de vue informatique énormément quoi. J'ai connu l'époque encore des secrétaires qui étaient avec des machines à écrire et maintenant on a des secrétaires qui sont avec des matériels très évolués côté informatique. Et donc j'ai été vraiment très très bien accueillie et dans tous les services que j'ai fait, vraiment à l'université, toujours bien accueillie. On peut toujours compter sur quelqu'un, on est bien entouré quand on arrive à l'université. C'est de faire le tour des bureaux, d'aller discuter un petit peu avec les collègues qui sont en place, savoir un petit peu quelles sont les spécificités de l'enseignement ici, de la recherche. Oh, de ne pas hésiter à aller voir les collègues et de frapper à la porte, de se présenter. Dans cette grande structure, je pense qu'il ne faut pas hésiter à bouger de service en service quand on a la possibilité de faire, essayer de passer un maximum de concours pour pouvoir évoluer. D'essayer de se documenter au maximum via tous les outils qu'on met à disposition de l'université. Bah, s'ils veulent pratiquer une activité sportive sur le ou les campus, ils viennent dans les cours, donc ils récupèrent une plaquette avec toutes les activités. On a un site internet dédié aussi. Je dirais premièrement, ne pas se déprimer à cause du temps. Il finira par refaire beau à un moment. Deuxièmement, une certaine ténacité. Tout n'arrive pas immédiatement, mais ça finit toujours par arriver. De se renseigner beaucoup sur tout ce qui est proposé pour les nouveaux arrivants. Je trouve que la journée pour les nouveaux, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Pour moi, Renin, c'est la diversité. Je dirais dynamisme. Pour moi, Renin, c'est toute mon expérience professionnelle. Variété de sites, variété d'étudiants. Ben, Renin, c'est une grande famille. Je dirais aussi convivialité, c'est vrai que c'est une université à taille humaine. Renin, en un mot, c'est probablement la créativité. On recherche. Beaucoup de possibilités pour vraiment évoluer techniquement. Ouais. Une université vraiment dynamique. Mon arrivée, c'est novembre 62 et mon départ, c'est octobre 2008. Moi, mon arrivée, c'est en 64 et mon départ, c'est il y a 2-3 ans. Mais est-ce qu'on est vraiment parti? On essaye d'inventorier les trésors que possède l'université et puis aussi de présenter ça au public. Ben, je veux dire que c'est beaucoup de ma vie avec des moments intenses de plaisir. Moi, c'est la liberté. Liberté d'enseigner, liberté de chercher, liberté de créer, de rencontrer d'autres gens. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.